Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer une taille en verre que j'ai faite sur mon pommier. Alors ce pommier, vous l'avez vu plusieurs fois sur la chaîne, ça fait un moment que je l'ai, il y a eu plusieurs étapes, dont une sélection de branches, des tailles en verre, un rempotage dans la bonne orientation parce qu'il était incliné différemment dans son ancien pot. Et aujourd'hui, il se remet à pousser comme chaque année au printemps. Et là, j'ai attendu le courant du mois de mai pour faire une nouvelle taille en verre. Alors je vous propose de faire un petit résumé sur cet arbre. Alors on se met au travail, la première chose que je fais c'est de nettoyer le pot et la base du nébari. Alors là sur ce genre d'arbre il y a souvent des gourmands à la base. Alors on les laisse ou on les coupe, ça dépend de ce qu'on veut faire. Moi je les enlève parce qu'il n'y a plus vraiment besoin de corriger des choses à la base ou de faire grossir le nébari. Je trouve que le diamètre est plutôt bon par rapport à la proportion de l'arbre dans sa globalité. Par contre, on peut laisser pousser des gourmands qui sont placés stratégiquement à des endroits où on a besoin de faire grossir une racine pour améliorer le nébari. Si vous avez une petite racine qui est bien placée mais qui est fine, vous pouvez laisser des gourmands à cet endroit-là et la racine va grossir. Forcément parce qu'il y a un passage de sève un peu plus important. Et j'enlève également les herbes indésirables pour nettoyer le substrat. Donc on commence par la première branche, donc on voit qu'il y a des tiges un peu partout, en tout cas sur chaque rameau. C'est bien, c'est plutôt bien équilibré, donc je vais commencer à revenir en arrière, et en général je laisse deux paquets de feuilles pour densifier en arrière. On peut revenir à deux feuilles seulement, là j'en laisse quatre, et on peut réduire les branches en fonction déjà de la proportion de la branche, en fonction du mouvement de la tige qu'il y a derrière, et puis de la manière dont on veut que la branche évolue, donc si on veut qu'elle grossisse, ou si elle a le bon diamètre. Si on veut qu'elle grossisse, on laisse tiger. Donc dans le cas de la première branche, le diamètre me semble bon, donc il n'y a pas besoin de laisser tiger, je peux continuer à densifier la branche. On passe à la branche suivante. Là déjà je me débarrasse de certaines feuilles qui sont mal dirigées. Alors soit elles sont trop grosses et je laisse la place aux petites pour laisser rentrer plus de lumière, soit elles sont mal dirigées, donc elles sont dirigées vers l'intérieur du tronc, vers le bas, directement vers le haut. Ça me permet déjà de faire une sélection sur les feuilles. Au même endroit, il peut faire un paquet de plusieurs feuilles, 4, 5, il faut en garder 2 et bien dirigées. Là, on voit une longue tige et je reviens à deux feuilles. Là, ici, je me débarrasse d'une petite branche qui commençait à pousser pile à l'intersection de la ramification. Moi, je veux que les structures soient visibles, donc j'enlève tout ce qui est sur le chemin des ramifications. Et ensuite, on a deux rangs de tiges et puis une qui est derrière. Donc là, on va passer de 3 à 2. Pour faire des divisions par deux, comme je vous ai dit, hein, moi j'aime bien les structures qui se divisent par deux, je trouve ça beaucoup plus esthétique et plus naturel. Et ensuite, je reviens à deux feuilles. Donc je continue là-dessus, là j'ai un paquet qui est un peu compact, il y a pas mal de feuilles qui vont un peu dans tous les sens, donc déjà je commence à faire le nettoyage des feuilles, donc j'enlève les grosses, celles qui sont mal dirigées, et ça me permet d'y voir un peu plus clair sur la structure pour la suite. Donc c'est pareil, hein, quand je reviens en arrière, je regarde les feuilles qui restent et leur direction. Si je veux par exemple poursuivre la branche plutôt vers la droite, je vais plutôt garder des feuilles qui ont la bonne direction vers la droite. Parce que elles protègent les futurs bourgeons latents à leur base, à la base du pétiole.
Là, je vous montre une pousse qui est directement sur le tronc, donc celle-ci, je la supprime, sauf si, bien sûr, j'avais envie de développer une branche à cet endroit-là. Mais là, il n'y a pas besoin. Là, on continue. Donc, vous voyez, je commence toujours par sélectionner en premier les feuilles. Ça fait un nettoyage, ça permet d'être plus visible. Et ensuite, je reviens en arrière sur les longues tiges. Alors là, j'ai un cas où il y a une branche dont la continuité va sur une tige que je viens de couper, et il en reste deux. Ça me permet d'avoir un point de ramification avec deux petites tiges et assez courtes. Là, ici, c'est pareil, on a une branche qui se divise avec deux branches, et sur ces branches, bah, pareil, j'ai une division par deux, donc c'est très bien, sauf que je reviens un peu en arrière sur les longueurs. Et pareil pour la deuxième, là, je reviens fortement sur la longueur. Donc je garde toujours en tête cette procédure de garder des ramifications par paquet de deux, avec une division par deux à chaque point de ramification. C'est pareil, on avait une petite pousse sous l'aisselle de la branche, donc ça, il n'y a pas besoin de garder. Là, on a une branche qui pousse sous une autre branche, donc à la limite, soit on la garde pour faire une nouvelle branche et on supprime celle du haut, soit on garde celle du haut, comme je le fais actuellement, et on supprime celle qui est en bas. Donc vous voyez, sur le pommier, c'est pas très compliqué, entre guillemets, de créer une branche. S'il est bien cultivé, bien engraissé, bien arrosé, bien exposé, il va créer spontanément des branches qui vont pousser assez fortement, et on peut créer une branche bien placée sur une saison de culture. Alors là, je reviens sur la première branche où j'avais pas vraiment fait ma sélection de feuilles qui étaient mal dirigées ou trop grosses. Les grosses feuilles, je les supprime justement pour faire rentrer plus de lumière à l'intérieur de l'arbre, et ça va permettre de réveiller des bourgeons en arrière et de rapprocher la végétation du tronc, pour éviter justement d'avoir des tiges qui vont plutôt vers l'extérieur et qui délaissent les choses à l'intérieur. Et ça participe à la nanification de l'arbre. Donc le travail peut paraître un peu répétitif, mais c'est toujours très agréable à faire. Là, je suis en train de vous montrer deux tiges, il y en a une très grande, et la petite, en fait, c'est la continuité de la ligne de tronc. On le verra en détail tout à l'heure. Là, par contre, la rose, elle est placée vraiment en plein milieu du tronc. Celle-ci, je la réduis, et ça sera une branche que je vais ramifier. Donc là, je l'ai raccourcie très courte, et ça va me permettre ensuite de créer des ramifications sur cette branche. Et ensuite, on voit la tige qui est pile dans la continuité de la ligne de tronc. Donc celle-ci, je la laisse pour continuer à faire grossir le tronc et à lisser en fait la transition entre la partie basse du tronc et la branche que j'avais ligaturée la première année de travail et qui commence à avoir un bon diamètre. Là, on voit un petit accéléré donc sur lequel je finalise un peu le travail. Donc j'enlève les feuilles qui sont mal placées, qui sont trop grosses.
J'essaye de d'affiner un peu le résultat. Je passe même un peu de ligature pour rattraper un petit mouvement de branche et je continue un peu le travail. Donc ça permet vraiment de finaliser un peu tout ça. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des pommiers, normalement à cette époque-là, vous avez des tiges que vous pouvez tailler ou laisser tiger en fonction du résultat. Hein. Et c'est les travaux que vous voyez en vidéo, c'est pas forcément ce qu'il faut faire sur votre arbre. Moi, je le fais parce que je suis à une étape où la ligne de tronc est correcte, les branches sont bien placées, il y a des ramifications qui sont bien placées, et j'essaye maintenant de densifier de plus en plus à l'extrémité des branches pour que les ramifications soient de plus en plus fines et qu'il y ait une envergure de plus en plus importante pour l'arbre. Si vous avez un arbre très jeune que vous avez besoin de faire grossir, il faut surtout pas tailler. Par contre, vous pouvez toujours corriger des branches en les supprimant, en les taillant. Et vous pouvez aussi placer un peu de fine pour donner un peu de mouvement, mais là sur le pommier il faut faire gaffe parce que ça pousse très vite, donc un fine qui est placé 1 mois, 2 mois, au bout de 2-3 mois, voilà, ça va commencer à marquer. Hein. D'où l'intérêt des fois de placer plutôt le fil en automne, comme ça vous avez tout l'automne, tout l'hiver, et en fin d'hiver ça va commencer à pousser tranquillement, et vous aurez vraiment tout le temps pour bien observer le fil avant que ça marque. Donc là je lui prévois un petit arrosage, donc évidemment là en ce moment vous vérifiez bien la température de l'eau avant de le mettre dans le substrat, donc moi je mets ma main et puis j'essaye de juger la température. Une fois que c'est frais, bah, vous arrosez, et là évidemment j'ai décidé d'arroser parce qu'il commence à faire assez chaud à Bordeaux, et surtout il a passé quand même un moment dans l'atelier au chaud, donc ça lui fait du bien de reprendre un peu de fraîcheur. Donc là on voit que la structure est beaucoup plus aérée, il n'y a plus de tiges, et là la lumière va bien pénétrer au sein des branches. Et ça va permettre de continuer la suite et pourquoi pas de faire une autre taille de densification dans l'année. Voilà, en tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï! Alors ce pommier, vous l'avez vu plusieurs fois dans la vidéo. Alors ce pommier, c'est la... Alors ce... Et là, j'ai attendu le mois de mai. J'ai attendu le courant de mois de mai. Et là, j'ai attendu le courant de... Si on veut qu'elle grossisse, on laisse les tiges. On laisse les tiges. Là, c'est pareil, on a une branche avec deux... on a une branche qui se divise avec une seule... Avec... sur une saison, sur une saison de culture. Donc là j'ai fait une petite correction. Je vais mettre pause. Ouais, pas de soucis. Et je te tiens au courant la semaine prochaine. Allez, salut. Ouais. Alors, on va reprendre. Oula. Donc du coup on en était où là? Donc le travail peut paraître pour rendre plus fine, pour que la structure soit plus fine. Pour que la structure soit de plus en plus fine, pour que l'arbre... Et en fonction de la réaction de l'arbre, ça va permettre de faire peut-être une autre taille de densification avant le... Et en fonction de la réaction de l'arbre, ça va permettre de faire une autre taille de densification avant la fin de l'année, avant l'été ou en automne. Voilà, donc là on revoit le... Vous regardez bien la température, vous vérifiez bien la température. Il a passé un... Il a passé quand même un moment dans l'atelier au chaud, donc... Et fait du bonsaï.